Il est toujours de bon temps de marquer une pause pour faire l'état des lieux de ces activités entreprises courant une période donnée. Une étape importante qui permet de relever les manquements et défis afin de mieux orienter ses objectifs et perspectives. Plus qu'une règle, elle est devenue presque une habitude pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale. Habitude à laquelle la Fédération Togolaise de Tir à l'Arc n'a pas échappé ce 30 août 2023 à Lomé. Activités, finances, plans d'action, tout a été passé au peigne fin à travers des échanges fructueux. Si vous quittez d'un point A pour aller à un point B et que vous êtes censé avoir acquis quelque chose dans cette période, c'est que c'est un bilan satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons des athlètes d'élite qui sont déclarés au Comité national olympique. Nous avons veillé à assurer ces athlètes. Nous avons également procédé à plusieurs séances de vulgarisation de non-disciplines. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous tendons vers cette reconnaissance qu'est la discipline. On peut faire mieux. Et c'est vers ce mieux-là que nous tendons aujourd'hui. Donc, de cet âge, on espère que tout ce qu'il y avait comme difficulté serait aplani et que nous puissions établir des bases plus saines et plus solides pour évoluer. Au total, ils sont près d'une dizaine de clubs à prendre part à cette Assemblée générale ordinaire, la première du genre depuis la mise en place du nouveau bureau exécutif en octobre 2021. Pour rappel, on note déjà 2 médailles sous-régionales pour la fédération, une en or et l'autre en argent. Des médailles remportées en septembre 2022 lors du tournoi international Zone Ouest et Centre d'Afrique de Tir à l'Arc Tizokata tenu au Bénin.